Je vous partage mon expérience. De toute façon, à chaque fois que je vais trouver un truc, un hack qui fait que ça déchire et que ça peut améliorer notre vie, que ce soit santé, argent, tout ça, ben, je le partage sur la scène. Alors, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère, les gars, que vous avez bien depuis la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner. Tu es libre de t'abonner, de cliquer sur la cloche de notification. Hein? Pourquoi? Je dis, mais pourquoi? Pourquoi ils me demandent à chaque fois je fais ce que je veux? Calme-toi, Gérard. L'idée, c'est quoi? C'est quand même, on est là, je fais une vidéo par jour. Je suis là, j'essaie de te mettre la patate. J'essaie de te donner tous les raccourcis pour que tu puisses aller plus vite. Hein? C'est free ou pas? C'est gratuit. Donc l'idée, c'est quand même moi que, en échange, j'aimerais bien faire grossir ma chaîne. Voilà, voilà, voilà. Donc abonne-toi. L'idée, c'est d'atteindre les 100K. Hein, et on avance ensemble, les gars. Donc je m'appelle Joël Tachi. Pour ceux qui ne me connaissent pas, l'idée, c'est qu'on n'a qu'une vie. Voilà, ça, c'est le concept. On n'a qu'une vie. Et à un moment donné, il faut tout éclater. Il ne faut pas genre, éclater tout un petit peu. Non, il faut éclater tout. Santé, relations, argent. Il faut tout éclater dans la vie, les gars. On n'en a qu'une seule. OK? Donc tu as en description étude de cas. Ma étude de cas. Pfff. Oh là là, alors on sait qu'on n'est pas bon en français, mais bon, quand même, un effort, les gars. Donc, t'as, l'étude de cas, elle est offerte. Ok, tu es libre de pouvoir y accéder. Ou je te montre comment j'ai fait les 20K en une semaine. Et tu pourras copier, t'en inspirer. Après, quand j'ai copié, ouais, tu peux copier, en fait. Ouais. Tu peux copier, mais après, évidemment, adapte en fonction de ton marché. Et ne trouve pas d'excuses. J'ai grandi à Évry, dans le 91, dans le quartier des Pyramides. Ok, et j'ai redoublé mon BEP. Et je suis issu de parents divorcés. Et mon meilleur ami, il est mort d'une balle dans la tête. Et les gars, on a tous eu des problèmes. Ok, si tu n'en as pas eu, tant mieux. Hein, ça ne fait pas de toi moins ou pas bien. On a tous eu des problèmes, les gars. Arrêtez de chercher des excuses. Mais mon daron, il m'a laissé. Pff, oh, les gars. Hein, un peu de panache, les gars. qu'est-ce que je disais d'un coup? Donc tout ça pour te dire que je l'ai fait, ok? J'ai créé mon business en ligne sur le saxophone. Pour mes business en ligne sur le saxophone, je suis parti de zéro. Et j'ai généré 20 000 € en une semaine là. Donc du coup, je te le montre d'ailleurs là-dessus, ok? Donc c'est bon et passons directement au sujet de la vidéo. Mon secret pour être plus productif et gagner jusqu'à 10 heures 10 heures en une semaine. Ça fait beaucoup, hein? Elle est belle la promesse ou pas? Eh bien, c'est exactement ce que j'ai mis en place depuis à peu près, cette stratégie, je l'ai mis en place depuis à peu près, je pense que ça fait au moins 2 mois, hein, au moins. Si ce n'est pas plus, 2 ou 3 mois, ok. Et tu verras, ce n'est pas super compliqué. Ça peut être un petit peu relou, mais ce n'est pas super compliqué. Ce n'est pas des trucs genre timing et tout machin. Bon, évidemment, il faut que tu es quand même en productivité, mais j'ai fait des vidéos sur la productivité où je donne des conseils. Mais après, il faut que tu planifies tes journées. Tu ne peux pas être là en mode roue libre. Genre, tu planifies pas tes journées. C'est pas possible en fait, ça n'a pas de sens, tu vois. Donc ça, c'est la base, tu vois. Il faut quand même que tes journées soient planifiées. Mais une fois que tu planifies tes journées, tu veux encore gagner du temps. Comment tu fais? Moi, ce que j'ai vu, c'est que je sais pas si tu te rappelles, je faisais mon petit déjeuner tous les matins. Je les postais sur Instagram et tout. Et si tu as dû remarquer, depuis un moment, il n'y a plus de petit déjeuner sur Instagram, sur mes stories. Je mets plus, il n'y a plus. Tout simplement pourquoi? Parce que j'ai sauté le petit déjeuner. Terminé. Voilà, ben c'est simple. T'as le secret voilà, des 10 heures. Tu calcules, genre manger, ça prend quoi? Ça prend 1 heure au moins. Le temps de faire à manger, 1 heure, peut-être même 1h30. Donc j'ai fait le calcul, cette fois 1,9, 1,5, on est pratiquement à 9, on n'est pas loin des 10 heures. Ok? Et si jamais tu prends 2 heures pour manger, c'est encore plus, tu vois. Donc imagine le temps que tu gagnes de ouf, mec. Et là, je t'ai dit genre 10 heures en une semaine. Calcule 10 heures fois, fois 4, on est déjà à 40 heures. En un mois, ok, 40 heures en un mois. Alors si jamais tu fais 40 fois 12, hein, pour les matheux, hein, mettez-moi le résultat en commentaire parce que là je ne serai pas incapable de vous le dire combien ça fait. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que déjà en un mois, tu as fait 40 heures. 40 heures, c'est énorme quand même. Et imagine sur des années, le temps que tu gagnes, mais c'est un truc de malade. Et là, tu mets une pilule à tout le monde. D'ailleurs, tu mets une pilule déjà aux concurrents s'il y a besoin de concurrence, mais déjà, même pour toi-même, tu avances beaucoup plus vite. Tu deviens une meilleure version de toi-même beaucoup plus vite. Imagine 40 heures économisées, mec. Le temps, c'est la valeur qu'on a la plus précieuse. C'est la valeur la plus précieuse. T'as moi le français. C'est la valeur la plus précieuse. Ok, donc du coup, j'ai envie de te dire, si jamais tu gagnes 40 heures en un mois, on le fait ou on le fait pas? Donc, je ne sais pas si tu as capté, mais en gros, je te parlais du jeûne intermittent. Ça veut dire quoi? C'est qu'en gros, je mange pas de 8 heures à 8 heures du soir jusqu'à midi le lendemain. Tu
vois. Après midi, des fois c'est plutôt midi 30, des fois ça peut même jusqu'à 1h, tu vois, parce que je sais qu'il y a des bienfaits. Parce que au-delà du fait que, genre, ça me fait gagner du temps, ça a aussi des bienfaits sur la santé. C'est pour ça que j'ai bien kiffé. Après, au début, j'étais un petit peu rétractaire parce que, comme moi, je suis du fitness, tu vois, je vais à la salle de sport, je me suis dit, ouais, les jeunes comme ça, ça, c'est plus pour sécher. Est-ce que, genre, je vais pouvoir réussir à garder ma masse musculaire et tout, là, donc, j'étais pas trop chaud au début. Mais j'ai toujours eu cet attrait pour le jeune, déjà, de base, tu vois. Enfin, toujours. Je suis attiré par tout ce qui est santé. Comment être en meilleure forme, comment être en meilleure santé. Donc ça, c'est des trucs, dès que je lis un truc qui me permet d'avoir une meilleure santé, plus d'énergie, je le mets en place directement dans ma vie. Tu vois, je sais pas si j'ai expliqué dans mes vidéos, certaines vidéos, moi je suis un gars, j'aime bien mettre en place des habitudes. Parce que les habitudes, t'as pas besoin de réfléchir, tu vois. Et du coup, le temps, il travaille pour toi. Toujours mettre en place des habitudes, parce que moi, c'est ce que je fais, mettre en place des habitudes qui fait que quand le temps, il passe, le temps, il travaille pour toi. C'est du bénéfice pour toi. Tu vois, le fait que j'aille à la salle de sport, toute la semaine, enfin j'y vais à peu près 3 ou 4 fois dans la semaine, tu vois. Et après, je fais du cardio, donc ça fait peut-être 5 fois. Donc en fait, je fais du sport 5 fois dans la semaine. Ben, je réfléchis pas. Tu vois, c'est planifié dans mon planning. Je réfléchis pas en fait. Et donc, du coup, c'est des trucs qui jouent en ma faveur, tu vois. Pareil pour manger, je réfléchis pas. J'essaie de manger quelque chose de toujours équilibré, tu vois, même si après je mange des bullshit aussi. Hein. Mais genre, j'essaie de manger au moins qui est toujours tomates, concombres, enfin légumes, tu vois. Enfin légumes, non, je mens. Mais genre, au moins tomates, concombres, genre des végétales, quoi. Un peu quand même, tu vois. Pareil, le jus, tu vois, j'ai pris l'habitude de plus boire du jus. Donc, je bois que de l'eau. Donc, du coup, tu vois, c'est des habitudes. Chaque habitude comme ça, boum, boum, boum. Et c'est ça pour tous les domaines de ma vie, tu vois. Que ce soit musique, que ce soit musique, d'ailleurs, il va falloir retravailler dessus, parce que je ne m'entraîne plus. Mais que ce soit même la danse, je me suis lancé dans la danse. Qui du cru que je me serais lancé dans la danse, les gars? Là, tu imagines, je danse la salsa. Ma mère, elle ne comprenait pas. Elle dit, mais Jonathan, tu danses la salsa, Jonathan. Depuis quand tu joues, Jonathan, tu danses? Elle ne comprenait pas. Donc du coup, habitude, hein, je prends mes petits cours de temps en temps, boum boum, voilà, le temps il joue à ma faveur. Hein. Plus j'y vais, bah, plus je serai chaud, tu vois. Santé, après le physique, relations, argent, évidemment. Hein. Donc du coup, j'ai toujours été attiré par tout ce qui était jeune, enfin tout ce qui était santé. Et c'est surtout quand j'ai rencontré le coach Eric Benazin. Pour ceux qui ont suivi, je m'étais fait coacher par lui il y a 2 ans, je crois, 3 ans, 2 ans et demi. Et du coup, quand j'avais lu son livre, ça m'avait sensibilisé sous le jeûne sec. Ok les gars, sans eau, sans rien, rien du tout. Jeûne sec. Ok, donc ça m'avait sensibilisé à ça parce que lui, il avait fait ça pendant 12 jours. Ouais, il avait jeûné pendant 12 jours. Et moi, j'étais dans le truc de putain, mais attends, mais 12 jours sans boire et tout. Et après, je m'étais dit, mais attends, j'ai toujours entendu dire que genre, rester 3 jours sans manger, après 3 jours, tu meurs. Tu vois, c'est ce que tout le monde dit. Hein. Jusqu'à aujourd'hui, j'avais tapé récemment, les gens ils disent ça, tu vois. Et donc, du coup, ça m'avait interpellé quand j'avais lu son livre. Avant même de le rencontrer, j'avais acheté un autre livre. Parce que du coup, j'ai cherché parce que ça m'a intrigué. J'ai acheté un autre livre, je ne sais plus c'est quoi. Mais il n'y en a pas beaucoup des livres sur le jeûne, tu vois, vraiment. Mais c'est un livre, le jeûne, je ne sais pas quoi. Ah, j'oublie, mais j'ai acheté un gros livre quand même, il était assez gros. Enfin, j'avais en Kindle, je te dis assez gros parce que quand je vois l'image en 3D, tu vois. Mais je crois que c'est le jeûne de je ne sais pas quoi. Mais de toute façon, il n'y a pas 50 000 des livres sur le jeûne, donc tu devrais trouver ça. Donc du coup, j'ai acheté ce livre-là. Et j'ai lu tout le livre, tu vois. Et du coup, après, je me connaissais bien sur le jeûne, tu vois. Et je me suis dit, mais en fait, c'est des bêtises. Il y a des gens qui restent 3 mois, 6 mois. Je crois que le record, c'était pratiquement 1 an en jeûne sec, tu vois. Après, c'était bon, il était suivi. Et puis, à la base, il était vraiment en surpoids, il était obèse, tu vois. Mais genre, j'avais vu que, en gros, tu pouvais faire des jeûnes, genre, une semaine, 2 semaines, sec, normal, et personne meurt, tu vois. Il n'y avait aucun problème, tu vois. Que c'était, les gens faisaient ça 6 jours, 7 jours, enfin, il n'y avait aucun problème, tu vois. Du coup, ça m'avait sensibilisé à ça et j'avais testé, genre, je crois 48 heures. J'avais fait presque 3 jours sans manger, tu vois. Sans manger, sans boire, tu vois. Voilà, j'ai testé ça, sec, machin. Et voilà, après, j'étais pas super en forme, mais pour te dire que depuis ce jour-là, enfin, j'étais pas super en forme. Comme je te dis, ça veut dire que quand je l'ai fait, j'étais pas genre, ah, je pète la forme. Parce qu'il y en a, quand ils font le jeûne sec, genre, on dirait, genre, ils sont en lévitation après, ils peuvent machin, ils sont super vifs, tout ça. Genre, intellectuellement, ils vont trop vite. Bon, moi, non, ça n'a pas fait ça. J'étais presque aux 3 jours. Je crois que j'ai fait 3 jours ou pratiquement 3 jours. En plus, je l'ai coupé pour un truc bête, je crois. J'ai coupé pour de l'eau ou du jus, je sais plus.
Franchement, en plus, quand je l'ai coupé, je me dis, en fait, j'aurais pu continuer. C'était vraiment que psychologique, c'était pas physique. C'était vraiment que psychologique. Parce que quand j'ai vu, j'ai dit, en fait, j'aurais pu tenir encore, tu vois. Et donc, tout ça pour revenir à ça, c'est que du coup, depuis ce jour-là, ma relation à la nourriture, bah, elle est tranquille, tu vois. Ça veut dire, si je mange pas maintenant, enfin, ça va, tu vois. J'ai jeûné pratiquement 3 jours sec, sans boire ni manger. C'est pas quelques heures sans manger qui vont me faire un truc. Donc, du coup, je me suis dit, vas-y, je mets ça en place. Ça me fait gagner du temps de ouf. Et donc, du coup, maintenant, quand je me lève, bah, déjà, ça me fait gagner du temps de malade. Tu t'imagines même pas. Ça veut dire que je commence à taffer de 6h jusqu'à 11h ou des fois midi. Tu vois, donc ça fait quoi? Ça fait pratiquement 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ça fait pratiquement 6 heures de travail d'affilée. Ah, déjà, tu as déjà fait une journée de travail. Normal, tu vois. Juste grâce à ça, tu vois. Après, les autres bienfaits que j'ai vus, c'est que, au niveau du fitness, là, pour ceux qui font de la musculation comme moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'en fait, je pensais que j'allais perdre de la masse. Parce qu'au début, j'ai essayé. J'ai dit, vas-y, on essaye, on verra. Et en fait, gars, j'ai jamais eu une. Comment dire, j'ai déjà une shape, mais un physique aussi tracé, ok. Après, je peux être plus tracé, hein, mais je veux dire, par rapport aux efforts que je fais, avoir le physique que j'ai là, j'ai jamais eu ça, tu vois. Et même, j'ai l'impression d'être même plus balèze, en fait. J'ai l'impression d'être plus sec, et je pense que c'est pas une impression. Je suis plus sec et je suis plus volumineux, en fait. De toute façon, après, quand tu deviens plus sec, tu parais plus volumineux, mais même, je pense que je suis plus volumineux, tu vois. Je pense que j'ai plus de muscles, je pense que j'ai plus de volume, tu vois. Et en fait, ça, c'est lié à un des avantages du jeûne intermittent. C'est que, genre, en fait, comme tu n'as pas de pic d'insuline, parce que quand tu manges, tu as des pics d'insuline, etc. Donc, le fait de réduire ta fréquence de repas, bah, ça te laisse une plus grosse partie à jeun. Et quand tu as une grosse partie à jeun comme ça, bah, ça augmente ton taux de testostérone. Donc, le taux de testostérone, les gars, comment ça s'appelle ? C'est l'hormone par excellence pour l'homme. J'ai envie de te dire, plus d'agressivité, plus en mode conquérant, permet plus de prendre plus de masse musculaire. Donc du coup, forcément, je pense que ça a joué, tu vois. Donc en plus, tu fais que genre, ça me fait gagner du temps, ça me permet d'être plus, d'avoir un meilleur physique. Et ah oui, j'ai oublié de te dire, ça me permet d'avoir un meilleur physique alors que je mange de la merde. Ça veut dire quand je dis je mange de la merde, ça veut dire que souvent, le premier repas, je mange propre. Mais souvent, le soir, je prends un hamburger, je prends des trucs comme ça. Et gars, ça n'a aucun impact, gars, sur mon physique, gars. C'est un truc de malade. Ça veut dire que tous les jours, je peux faire de genre un cheat meal. C'est d'ailleurs ce que je fais pratiquement, tu vois. Alors que pour pouvoir avoir le corps que j'ai là maintenant, en mangeant comme avant, je mangeais genre 3, 4, 5 repas par jour, genre quand j'étais en mode fitness, quoi. Ben gars, je pouvais pas faire d'écart. Hein. Ça, c'est sûr et certain. Je faisais peut-être un ou deux écarts, un ou deux cheat meals. Par semaine, je faisais un ou deux cheat meals par semaine pour avoir le physique que j'ai là maintenant, alors que là maintenant je mange un cheat meal tous les jours pratiquement. Donc c'était vraiment un truc de ouf quand je me suis aperçu de ça. J'ai dit mais maintenant je vais rester comme ça à vie, frère. Attends, ça veut dire que là je peux me faire plaisir normal et en plus je garde la même shape. Mais c'est un truc de ouf. Après bon voilà, faut pas manger non plus des cheat meals tous les jours genre des hamburgers parce que pour la santé c'est pas bon, tu vois. Mais en tout cas pour le physique, j'avoue, ça pose pas de problème, quoi, tu vois. Et après, autre chose que j'ai bien aimé aussi dans les avantages du jeûne intermittent, c'est que en fait, plus tu jeûnes à partir, je crois, c'est 15h, à partir de 15h, en fait, ton corps, vu qu'il reste à jeun, genre il va ça lui laisse le temps de pouvoir aller défoncer les cellules cancéreuses, les cellules mauvaises, etc. En fait, tu renouvelles tes cellules, tu vois. Okay. Mais de toute façon, je vais te lire, j'ai noté, je vais te lire un petit peu les avantages du jeûne intermittent. La vidéo, elle est partie en mode truc de fitness. Non, les gars, j'ai rien à vous vendre, c'est juste, je vous partage mon expérience. De toute façon, à chaque fois que je trouve un truc, un hack qui fait que ça déchire et que ça peut améliorer notre vie, que ce soit santé, argent, tout ça, ben, je le partage sur la chaîne, quel que soit le sujet, quoi. Là, c'est du coup jeûne intermittent. Je trouve que c'est super efficace, tu vois. Parce que du coup, ça allie tout, frère. Testostérone, ça veut dire quoi? Plus de tout, hein. Testostérone, tu sais déjà que ça déchire d'avoir de la testostérone. Donc là, tu as fait un truc comme ça, tu as une montée de testostérone, tu as plus de masse, plus d'agressivité, tu es plus frais, tu gagnes du temps de malade, tu as une meilleure santé. Après, qu'est-ce que vous voulez de plus, les gars, hein? Alors, la définition de jeûne intermittent, j'ai noté, j'ai pris des petites notes, les gars. Cette méthode consiste à alterner une période de prise d'alimentaire de 8 heures avec une période de jeûne à 16 heures, non, 15-16 heures. Et comme je disais, le dernier repas donc se mange avant 20 heures et tu manges après à midi. Premier avantage, les plages d'abstinence alimentaire induisent une augmentation des taux de testostérone. Donc ça, moi, je l'ai remarqué. C'est comme je t'ai dit, j'ai vu que je mange moins, mais genre j'ai plus de volume, quoi. C'est un truc de malade. Et en plus, je suis plus sec.
Deuxième avantage, il permet de nettoyer un nettoyage complet du corps, sans rien à digérer et donc au repos, pendant 16 heures, notre corps en profite pour purifier ses cellules endommagées, éliminer ses cellules mortes et les régénérer. Donc jeûner pour rester plus jeune n'est pas un jeu de mots. Troisième avantage, contrairement à beaucoup d'idées reçues, le jeûne intermittent permet à notre métabolisme de s'accélérer. Donc il utilise les graisses stockées, il l'utilise pour s'en servir comme énergie. Troisième avantage, donc je ne sais pas si on est sur le troisième, on va dire troisième. Hein. Troisième avantage, c'est que ça te permet de gagner de l'énergie. Parce que le fait d'avoir des pics d'insuline à chaque fois, en fait quand tu manges, tu as un pic d'insuline. Parce que c'est du sucre, etc. Donc tu as un pic d'insuline. Et après quand ça redescend, bah, après tu es KO. C'est pour ça qu'après avoir mangé, tu es KO. Tu vois. Donc même pour le business, quand tu manges, si tu manges un repas bizarre et tout, après, tu as fait l'après-midi, hop, boum, t'es KO, t'es fatigué, tu vois. Donc là, pareil, ça te permet de gagner en énergie parce que ton appareil digestif, il n'est pas toujours en train de fonctionner constamment. Et autre avantage, de nombreuses études démontrent les effets positifs du jeûne intermittent sur certaines maladies comme le diabète de type 2, Alzheimer, cancer. Mais il y a aussi un impact positif sur les fonctions cognitives, mémoire et apprentissage. J'ai envie de te dire, là, on est au max. Hein. Tu vois. Et même pour tout ce qui est graisse, moi, je l'ai vu, tu vois. C'est incroyable parce que normalement, j'ai toujours appris, tu vois, dans tous les livres que j'ai lus, tout ce qui est prise de masse, tu peux pas prendre de la masse et en même temps sécher. Tu vois, c'est l'un ou l'autre, tu vois. Ou tu peux faire, mais c'est bizarre. C'est normalement, tu peux pas. Et là, moi, je l'ai expérimenté. Je vois que je peux grossir. C'est juste qu'après, il faut que j'adapte mes programmes, etc. Là, je suis plus en mode maintenance, tu vois. Mais je vois que en changeant rien à mon programme de muscu, mon corps, il a changé, quoi. Je suis plus sec et j'ai plus de volume, tu vois. Donc voilà, bah c'est tout pour cette vidéo. Vidéo un petit peu longue, mais voilà, je voulais partager un petit peu mon expérience. N'hésite pas à me dire aussi en commentaire si jamais toi, tu as essayé, si jamais tu en as vu les bienfaits. Mais moi, franchement, je crois que je vais rester comme ça à vie, frère. Si en plus, ça permet de régénérer ses cellules, libérer du stock de gras normal, avoir plus de testostérone et prendre plus de masse, ou en tout cas au moins la conserver, et en plus, gagner en productivité, gars. Ok, donc voilà, c'était le tips que je voulais vous partager. Tu en fais ce que tu veux, mais voilà. N'hésite pas à mettre un j'aime si jamais sa vidéo. Un j'aime pas parce que tu penses que non, c'est n'importe quoi, c'est pas vrai, c'est impossible. Les gars, n'oubliez pas que tu peux toujours avoir accès à l'étude de cas où je te montre comment j'ai fait les 20K en une semaine. Ok, c'est offert. Et les gars, on lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et un nous. Soyez ton camp. We'll be right back.